Nous, l'hiver, c'est le moment où les chiens ils vont s'amuser au max. C'est ce qu'ils attendent pendant toute l'année, d'aller faire le gros du travail qu'on va faire tous ensemble, chiens humains. La belle Cayenne, elle a commencé tranquillement le traîneau. Ça fait vraiment pas longtemps qu'on l'a essayé. Elle a continué de grandir en beauté. Elles étaient très bonnes, ils ont été de l'avant, mais éventuellement, peut-être qu'elle va finir en avant d'un attelage comme chienne de tête. Ces chiens-là, c'est des huskies sibériens. Puis plus il fait froid, plus ils sont motivés. Des journées de moins 20, là, les chiens, ils sont tellement rapides. Le bonheur pour ces chiens-là, c'est de courir avec les traîneaux au gros froid. C'est ce qui les rend bien. Vamos a experimentar por primera vez el trineo de perros. Es una experiencia diferente, única. En México no hay esto, no existe. Entonces, el poder hacer una actividad así es una experiencia de vida. Para nosotros los mexicanos, pues extremo, hace frío, pero al día de hoy, la verdad es que el clima está muy rico, está muy bien. El sol ha salido, entonces la verdad no sentimos tanto frío. Creo que nos hemos adaptado en dos días bastante bien. Entonces la verdad yo creo que no hay que temerle al frío. Al frío. Está excelente. On veut que les chiens soient bien, on veut qu'ils soient gentils avec tout le monde. Et puis c'est vraiment la façon de s'en occuper qui change tout. Et les chiens sont vraiment calmes, ils n'ont pas peur des gens, sont gentils avec les enfants. Tout ça, ça paraît. Je m'appelle Nathalie et je viens de Paris. Et voilà, on est venu une semaine avec mes enfants et mon mari pour réaliser un très vieux rêve, découvrir le Canada sous la neige et le froid. On a eu un attelage, je trouve, formidable parce que les chiens étaient vraiment très énergiques. On avait l'impression d'être tous ensemble dans une aventure, c'était très fort, très fort.